Vous êtes prêts? Bonjour YouTube. Aujourd'hui on va jouer à Astronir pour la quatrième fois. Et on va enfin apprendre à ouvrir l'astropédie là, je sais pas quoi. J'appuie sur F, ça ne fonctionne pas. Bonjour et bienvenue hein. Dites bonjour le chat à YouTube. Voilà, c'est très très jaune. Il y a un peu trop de lumière là. Voilà, donc l'astropédie, c'est là. Il y a les gens si et les gens pas si. Ok. C'est là, quelque part ici, qu'il fallait faire. Astropédie, mais j'y arrive pas. Je peux même pas cliquer? Ah oui, mais parce qu'il essaie de prendre un truc. Non mais. Excuse-moi, la souris, pourquoi c'est en décalé comme ça là? Attendez, il y a un problème de souris. La souris n'est pas au centre. Bah, pars! On te dira rien. Je sais pas ce qu'il fait. Il tourne en rond. J'ai des problèmes de clavier ou quoi? Salut YouTube, hein, bienvenue, hein, ouais, on joue à Astronir, vous savez, le jeu qu'on a déjà essayé de faire. Voilà, non, ça c'est une rallonge. Mais, attendez, parce que... Pourquoi la souris... Mais la souris n'est pas au même endroit que moi. Ah! Ah! Attendez. Mais oui! Elle ne se pointe pas au bon endroit. Elle a un décalage genre de quelques... Mais non! Ça c'est le pire, je vois la souris en plus et vous la voyez pas. Ah! Là je suis à 10 km du truc. Aidez-moi! Comment faire ça? Faut que je débranche la souris, que je rebranche la souris. Je connais ces bails, c'est toujours le même principe. Hop! Ah non! Faut que je relance le jeu il a décidé de découvrir la souris, mais genre loin. J'entends à l'oreillette qu'il y a un décalage de souris. C'est incroyable cette histoire. Attendez, on va revenir dans le menu, peut-être que c'est ça le problème. J'arrive même pas à aller jusqu'au bout. Ouais, sauvegarder, revenir au menu principal. Oh là là, c'est très compliqué. Je repars sur Radio Garden. Je vais autoriser la musique. On était... Alors, attendez, parce qu'il faut que je m'en rappelle. Je crois que... Que notre cher Strega nous avait proposé quelque chose. Je check. Voilà, Apparatio à Reykjavik. C'est bien Twitch chat, on peut aller chercher vos messages d'il y a 70 minutes. Oui, Franck Brusset est un. Mais oui, tu ne savais pas? Franck Brusset était un filtre snap. Il est cool mon buggy, t'as vu? Bon, la souris est toujours pas là. Je vais quitter, je vais relancer. Hein. Je suis désolé, mais la souris, là, c'est pas possible. Hein. Il y a un gros décalage. C'est une blague, quand même, ce jeu. On va devoir refaire dire bonjour à YouTube. Oui, bonjour, YouTube. Alors, du coup, on fait, bien sûr, ce que... qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire Astronir, épisode 4. Mais c'est qui un filtre snap? Un filtre snap, tu sais, Snapchat, qui est une application de réseau social, principalement de médias, donc en photo, audio, que les personnes plus jeunes que moi utilisent à foison. Et je pense que je l'ai utilisé un petit peu, mais je sais pas trop comment... Enfin, voilà, j'ai pas d'amis. Est-ce que la souris est bon? Pas l'impression. Oh, je vais craquer. C'est très très dur de jouer avec la souris qui n'est pas droite. Il n'y a plus la musique en plus. Ah, le jeu, s'il te plaît. Dis-moi que tu mets la souris au centre, s'il te plaît. La souris au centre. C'est tout ce qu'on vous demande. J'ai mis la souris au centre. Je veux juste la souris au centre. Au moins qu'il y ait un petit décalage. Pas un gros. Pas de 5 cm, s'il te plaît. Bon, alors j'ai appris que le zinc,
était un truc qu'on avait fait dès le début. Donc on va pouvoir le refaire. Allez, la souris au milieu. Et au milieu. Oh. Non, elle n'est pas au milieu. Regardez, là, je pointe le casque. Et regardez où elle est. Je craque. Mais j'ai deux lumières, c'est pour ça que c'est très lumineux. Voilà. Oh, mais je vais galérer. Mais je vais galérer. Je vais pleurer ma vie. Je ne sais pas pourquoi la souris est décalée. C'est la blague du jour. Vous pensez qu'il faut que j'aille dans mes devices? Je fasse une résolution de problème, genre? Ça, je sais pourquoi ça n'a pas marché la dernière fois. On va peut-être pouvoir avoir du zinc avec ça. Ça serait bien de virer le pointeur, mais le problème, c'est que je le vois. Et c'est le pointeur que je vois de mon côté. Ah oui, non, mais si je peux... Oh, je peux même pas appuyer sur les boutons. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Mais je sais pas ce quoi qu'est-ce que je clique. Salut Strega, on a un problème de décalage de souris. Là, je pointe la tête. Et voilà où est la souris. Je pleure. Peut-être que ça reviendra un jour. J'ai l'impression que ça rétrécit comme espace. Bon, du coup, on avait d'autres choses à faire. Du zinc, entre autres. Le zinc, il paraît que c'est peut-être le composite. Oh là là. Mon dieu. Le carbone. C'est l'enfer. Là, je suis obligé de... C'est l'enfer, ce décalage. J'espère que tu vas bien, en tout cas, Strega. Là, il y a de la lumière aussi. On va peut-être déplacer cette lumière. Ça n'a aucun sens de mettre cette lumière-là. C'est pas très gênant, mais regardez ce que je fais comme bêtise. Regardez ce connecteur de l'enfer. Regardez-moi ça. C'est pas logique, ça. Et je suis un peu perdu sur la logique. En général, j'aime bien... dans la logique. En fenêtre, en bougeant la fenêtre, peut-être. Ah oui, peut-être. Oh oui. Non. Merci. Incroyable. Je suis centré. C'est beau. Merci. Waouh. What the fuck. What the fuck. Bon, c'est pas avec le composite. Je sais plus. Est-ce qu'on peut faire l'astropédie du coup? Oui, c'est là. Ah, mais il me dit le zinc là. Zinc nécessaire. Mais du coup, oui, d'accord. Mais on a besoin du zinc. Comment on fait du zinc? Zinc, c'est. Ah, la sphalérite, oui, c'est ça. Donc c'est le truc qu'on est allé chercher au début de l'épisode 3 et qu'on va devoir aller rechercher parce que j'en ai plus. Ah, on part. Ah, ça rame. Voilà, démarrage tranquille aujourd'hui. Oui, ça va, bien sûr. Merci, Clem Lulu, pour cette réponse de décalage de fenêtre. Apparemment, ça fonctionne. C'est incroyable. D'ailleurs, Clem Lulu, faudra que tu me dises sur un. Faut que je puisse passer un truc. Peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Il me faut un truc de. Comment ça s'appelle? Il me faut une version Linux Debian, genre. Pour stream en setup double, comme ça me permettra d'éviter ce genre de problème. Et je suis en train de réfléchir à peut-être du coup transformer du coup mon vieux PC en Linux du coup, ce qui serait logique. Peut-être récupérer tout ça aussi. Ça c'est pas des salérites. Mais si t'as une est-ce qu'il y a des spécificités genre pour Debian genre sur les composants ou pas? Bonjour à YouTube. Oui, bonjour YouTube. Ah oui, c'est vrai que Strega et Clem Lulu, vous savez pas, mais en fait, je poste les vidéos sur YouTube, si vous voulez. Je l'ai pas dit, mais peut-être qu'il faut que je le dise. Il y a des archives. Bon, c'est écrit dans la bio, hein, en vrai. Mais je sais pas si vous dites. Passer notre quota.
Dans la main, dans la main, dans la main, dans la main. Dans la main. Attendez, parce que je vais essayer de le mettre dans la main, parce qu'il faut que j'apprenne à mettre, à faire ça. J'y arrive vraiment pas, c'est très compliqué. Hein. Je crois qu'il prend pas les matériaux dans la main, en fait. Il le prend pas dans la main. Bonjour à YouTube. Ouais, je disais... En fait, c'est une blague parce que... hier... enfin, c'est une blague entre moi et moi-même, hein, bien entendu. C'est donc pas une blague. enfin, c'est très léger comme blague. Ça m'a fait rire hier parce que j'ai fait la modo de Histoire Crépu. Et Histoire Crépu fait les openings en live maintenant. Ça a bugué parce que j'ai trouvé des octets. Mais j'adore ma vie. Quand tu veux, hein, le jeu. C'est bon ? Il est optimisé hier en plus avec la carte graphique. En vrai, je le fais manuellement. Mais là, du coup, je l'ai fait. J'ai préféré le faire. J'ai pas mis la radio encore. Je vais mettre ta radio, Strega, d'ailleurs. Donc, on va aller à Reykjavik. Une fork, le plus simple, c'est Ubuntu. Mais en fait, la question, c'est est-ce que tu penses que ça peut passer pour pouvoir juste mettre OBS, dernière version Apparemment, c'est le plus gros problème, c'est la... Oh, j'ai failli faire tomber mon café. Sur le PC. L'Ubuntu, pas Ubuntu. C'est une belle saleté, Ubuntu. Oui, je sais. Il y avait un pote à moi qui l'avait mis sur son... il y a un moment maintenant. J'avais pas du tout appris ça. Là, on va avoir du zinc. Non, non. On a beaucoup de composites. Ça n'a pas vraiment de sens d'avoir autant de composites, d'ailleurs. Ah, mais on est même pas plein, là. Faire ça. Ah c'est un biocarburant, ça. Mais du coup je peux mettre sur le générateur. C'est ça que ça veut dire. Non. Non, ça veut dire nique, ça. Donc le zinc, avec le zinc on devait faire un truc. Le boost, je crois. Il en faut combien? Mais c'est de l'aluminium, c'est pas du zinc, c'est pas de la sphalérite, ça, du coup. Je me suis fait avoir. Oh mon dieu! Que ce serait... Alors, c'est quoi, la sphalérite? Ah, mais c'est peut-être le truc avant! Bon, on redescend dans le... Vite qu'on apprenne à un moment de faire un bouton pour éteindre la lumière, hein, quand même. C'est quoi comme PC? C'est un vieux MSI... ouais, je crois que c'est un vieux MSI. Genre 2000 je crois 2009, plus de 10 ans en tout cas. Non, mais en fait on dit pas des grosses bêtises, Strega, je pense. Faut arrêter de dire des grosses bêtises si on passe aussi sur YouTube. Mais en fait, non. J'ai ri, genre, c'est ma radio. Ouais. Alors, on était à c'est Apparatio que tu veux. À Reykjavik. Allez, c'est parti. Je peux me faire des likes et tout. C'est bien Radio Garden, en fait. Je vous envoie. Ouh là là, ça change. Ça change énormément. La dernière fois, on était, je rappelle, en Inde. Je crois que je vais enlever ces poteaux, ils m'énervent, en fait. On n'a pas beaucoup de sphalérite, mais je pense que ça suffira pour l'instant. Et d'ailleurs, tu peux essayer au revoir. Écris comme tu veux, Strega, c'est pour toi. C'est un cadeau. Je l'ai mis en lurk aussi, si jamais vous lurquez, vous pouvez dire un truc. C'est un cadeau pour toi.
m'en vais. Je crois qu'on a trop de ressources pour rien là. Faut qu'on puisse apprendre à manger. Ubuntu a un environnement bureau qui bouffe beaucoup trop de ressources. Ouais, moi je veux un truc qui... Et y a Wii aussi, mais Wii c'est Jaera du coup. Et j'ai pas pris Khalid, mais j'avais pris Khalid. Ah c'est vrai qu'on était pas tombé sur des radios où il y avait de la pub. LXQT. Ah la FIFA, ça je connais ça. Bon, je regarde pas le foot hein, mais enfin je regardais le foot quand j'étais petit, mais là c'est fini, hein. J'ai arrêté. Hein. Mais regardez-moi ça, on a trop de composites, à chaque fois on fait trop de composites. On va éteindre. On peut pas éteindre ça. Ah, on peut faire de la résine. Ça, c'est bien ça. Et de l'organique, et de l'argile. Et du quartz, et de la graphite. On va faire de la... Ah, on peut pas faire de la graphite si on n'a pas de... Alors, attends. Est-ce qu'on peut lui donner le truc pour faire de la graphite avec? Parce qu'on en a pas trouvé encore de la graphite. Ah ouais, ça a l'air plus compliqué, la graphite. Ah si, c'est bon. Ah, oui. Bon, là on va avoir des trucs qu'on n'a jamais récupéré avant. Hein. On va se faire un petit... Je crois qu'on avait récupéré un truc de stockage, mais je sais plus où il est. On l'a acheté quelque part. C'est peut-être ça. Hein. Bon, du coup on va... C'est un peu n'importe quoi ce qui se passe ici. Oh là là, c'est trop bien. Il n'y avait pas un stockage moyen qu'on avait fait? Je comprends pas. On va un peu bouger le buggy aussi parce qu'il est un peu... Ah le trou, non. Pas le trou. Pas le trou. Pas le trou. Faut reculer. Salut Raving Bell. Alors allez voir Raving Bell, hein. Raving Bell est actuellement en live sur Horizon. Attendez. Voilà, ça bug. Je peux le faire ton shoot maintenant. On a une musique un peu country hein, chez les Reykjavikains, apparemment. Oh, Horizon, c'est fini? T'as déjà fini? Non. What the fuck, man? Comment ça, c'est possible? C'est possible de finir Horizon si vite? Dites-moi, hein. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Bien fait de bête, oui. ok. Et du coup, on a fait du graphite, là. Ok. Bon, bah... C'était où, déjà, le zinc? Il est où, là? Il est là. C'est un peu abusé, ce que j'ai fait. J'avoue, c'est un peu abusé. Je vais enlever sur Louis, c'est quand même totalement abusé, ce que j'ai fait. J'ai le module de forêt et le truc. Et on avait un autre truc à faire avec le zinc, je sais plus c'est quoi. Module large. On l'a pas déjà le module large? Ça va, la radio elle est pas trop forte? Oui. Allô? Ça a l'air d'aller. Le jeu a l'air fort aussi. On dirait qu'il s'est relevé au niveau du son. J'ai l'impression que le module large on l'a pas fait, mais c'est pas ça. Non, ça c'est le module de forêt. Bon, on va faire le module large. Regardez bien, parce que ça utilise ma propre, quand j'imprime chez moi, ça utilise ma propre batterie. Mais vu que j'ai des piles en plus, je m'en fiche un peu. Alors du coup, on a besoin d'équiper ça. Notre pistolet. Là j'ai module large plus le boost. Ce qui veut dire... Oui. Oh, figure autoritaire omniprésente. L'alarme est un peu forte. Ah oui, l'alarme de mon téléphone. Oui, il est juste à côté du micro, c'est vrai. On va aller récupérer ce qu'on doit récupérer.
récupère une centrifugeuse. Non mais c'est une blague. On a déjà une centrifugeuse. Non mais on va pas la désassembler, on va la donner à quelqu'un. C'est un peu rock hein, Reykjavik. On va peut-être faire des trucs de stockage parce qu'on a un gros problème de stockage. Ah oui, il faut peut-être faire une salle de recherche. Ah non, la salle de recherche on l'a déjà. Imprimante grande, elle est là, c'est celle-ci. Abri, plastique, silicone. N. Yen, stockage moyen, résine, il en faut deux. Flèche de rover, bonbonne, éclairage, imprimante moyenne. Ah oui, c'est un broyeur qu'il nous faut. Il nous faut du fer. Ouvrons l'astropédie. Le fer. Hématite. Oh là là, c'est pas tout de suite qu'on va trouver. C'est une pierre rouge. Donc, ok. On va devoir trouver du fer. Et on va faire le stockage moyen en attendant. Résine. On a aucune résine. On a que du composite. Quel enfer cette histoire. Alors, on va aller chercher l'hématite pour voir ce qu'il y a. L'hématite, c'est où que ça se trouve? Dans des grottes. Ah, on va peut-être devoir aller tout en bas. Ah, bah on va aller creuser un peu plus alors du coup. Oh, je lui donne des octets en plus. Hein. Hop. On a un générateur. On a une centrifugeuse. On a ça. On a tout ça. On peut se faire un truc... Oh, pardon. On peut se faire un truc en plus. Un inhibiteur, non. Module de forêt, non. Bâton lumineux, non. Un petit imprimante, non. Rallonge, oui. Les rallonges, ça pourrait nous aider. Le module de forêt, on n'en aura pas besoin. Les piles, ça va nous aider. On va pas prendre notre buggy, parce qu'on va aller dedans. Et on va aller plus bas. Direction le sous-sol. Apparemment, c'est dans les grottes, les hématites, donc voilà. On avait vu un trou qui descendait plus bas, mais je sais plus où c'était. Vous vous rappelez ou pas? Par ici, non. Faut faire attention parce que c'est le coup à tomber, ça. Ah! Ah bah, il faut de l'énergie, là. Ça va. On va lui donner de l'énergie. Je pense qu'on peut faire ça. Ah oui, mais c'est, avec cette pile ça sert à rien. Ouais, le générateur, mais on n'a pas de... On n'a pas d'organique là sur nous. On va chercher de l'organique quelque part, je sais pas où. Et on va tester... Ah si là, il y a de l'organique ici. Alors on va tester du coup le module large. Mais ça c'est du composite, moi je veux de l'organique moi. Ah oui, mais j'ai toutes les bonbonnes, donc en fait c'est mort. Je vais jamais avoir de l'organique là. Oh là 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 là. C'est compliqué la vie. Vite l'oxygène. On laisse le générateur là. Mais non, en fait non, parce qu'il faut que j'en ai besoin pour descendre. Le générateur, au cas où je meurs de vie. On va aller chercher le générateur. Ce sera pour plus tard l'ouverture. Très rock hein, comme musique chez Reykjavik. Bon, on se retrouve ici, on va récupérer des octets sur le chemin. Ah bah il y a des trucs aussi. Bon, du coup on se balade et on essaye de voir ce qui... Ah bah voilà, elle est là la descente. Bah il y a un truc là, c'est quoi, c'est du rouge? Objet de recherche. L'astropédie, ça c'est... ça je sais ce que c'est. On connaît. Mais c'est pas le bon astropédie, par contre. On a besoin d'astropédie de celui-ci. C'est la latérite, ça on en a juste à côté, je crois.
C'est ici qu'on descend. Donc, rappelez-vous. T. Non, T. On va peut-être se débarrasser de ce truc là parce que ça a l'air d'être l'enfer. Ah ouais, non, mais non, si ça bug quand je me débarrasse des méchants, c'est compliqué. Et donc, oui, ça utilise. Alors, les modules, voilà, les. J'ai tombé la cigarette électronique. Les modules larges utilisent de l'électricité, je crois, en plus. Oh, il y a des trucs là-bas. Regardez, c'est quoi ça? Une cache exo. Incroyable. Je ne savais pas que ça existait. Mauvais endroit, mauvais moment. Voilà, je pense qu'on est au bon endroit. Ah oui, on est allé un peu plus bas même. Ça c'est un peu plus simple. Oh, ça va être chiant pour monter à chaque fois. Caché Xo. Avec des explosifs. Ah ouais, carrément. D'accord. Nous, on charge de l'hématite, hein, c'est tout ça. Par contre... Ouais, électricité ici. Ici, on pourrait se poser, hein. Genre, si je mets un générateur là, moi ça me choque pas. Hein. Peut-être qu'il faudrait par contre qu'on... J'ai plus de rallonge. Ça, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on y va au culot ou... Comment on fait? On va y aller au culot, on va voir. On va se balader. Ouh là là, il y a masse de résine là-bas. Et c'est florissant, hein. C'est joli. Regardez, c'est joli. Par contre, c'est un cimetière. Ah, oh, il y a de la latérite là. Très bien, je prends. Beaucoup de débris. Très bien de trouver une pile. Et des rallonges. Je crois qu'il faut pas toucher ça. Y a un trou ou pas? C'est marrant parce que, en fait, ça a l'air d'être randomisé les grottes, mais ça me fait penser à une grotte que j'avais déjà vue. Et je pense que ça va être randomisé par planète. Alors, il s'est passé quoi sur cette planète? Apparemment, beaucoup de gens sont morts. Hein. Ouais, alors, je viens de voir un truc. On va poser ici. On va récupérer un peu d'oxygène. On va partir. Balade. De toute façon, là, on cherche de l'hématite. Normalement, c'est dans les grottes, apparemment. F, F. Je vais apprendre à choisir les bons trucs. Ah, c'est un champignon qui est enfermé. Ah! Le bug. Ah oui! Ah oui, ça, c'est agressif, ça. Ah, c'est agressif, ça. On va se débarrasser. Ça a l'air d'être agressif. Non! Ah oui, c'est les... Voilà. Faut juste les... Voilà. Ah! J'avais oublié qu'il y avait ce genre de bestiole. J'avais oublié qu'il y avait des agressivités. Des plantes qui attaquent. Bah, je crois qu'il faut encore descendre. Hein. Mais je crois qu'il y a un moyen de descendre naturellement. On n'a pas sans creuser. Donc on va peut-être faire ça. Ouais, t'as le temps, hein. Tu sais, là, je vais pas le faire aujourd'hui. J'aurai pas le temps en plus non plus. On va remonter. Je crois que je vais raccourcir mes rallonges en passant par là. Rallonge improbable. Mais comment je vais faire pour monter là?
Bête. Vraiment bête. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été bête comme ça? Je fais comment pour remonter là? Ah, je sais comment je vais faire. Je vais faire une marche. On va monter par là. Faire un escalier. Ça va pas être plus court cette histoire. Et on va essayer de retrouver le chemin là. Ah. Ah. Il est par là le chemin. Merci la rallonge. Bon bah on continue par là. On va aller jusqu'au vide. Voilà. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. N'importe quoi ce qui se passe. Et où? Ah mais je suis déjà monté. Ah ok. Bah c'est un autre chemin. Et moi j'ai un peu j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah oui, c'est no... ah, c'est le c'est vraiment la fin. Et bah du coup j'ai la latérite. Je peux ouvrir ça. Mais ça a déjà été ouvert ça. Aller chercher de la résine. Non, c'est pas de la résine, c'est de l'organique qu'il nous faut. On va prendre aussi la plateforme. On va laisser les bonbonnes aussi parce que ça prend beaucoup trop de place dans mes affaires. Oh, il danse. Wouah. Attendez. C'était quoi ça? Polka de volaille. Ok. Alors que c'est intouchable. C'est le truc qui je peux même pas bouger quand je danse. C'est trop bien. Bon, on continue. Soyons sérieux. On va peut-être changer, hein, parce que moi j'ai un peu de mal avec le style. On va lui donner ça à la centrifugeuse. Fais du graphite avec. Trop de bonbons de façon. On va en prendre. Mais non! On va refaire du zinc. On va prendre ça parce qu'on en a besoin. Et en fait, le truc, c'est qu'il nous faut la pile, je pense. On va prendre la pile de la... On va prendre cette pile-là. Mais non, ça c'est... Ouais, de toute façon, on va prendre ça aussi. On a besoin de rallonge. Ah. Et... qu'est-ce qui nous manque? Une plateforme, ça serait bien de se faire une plateforme. Trois de résine. Bon, du coup, on récupère de la résine et on remonte. On va prendre de la résine ici, on va prendre de la résine là. Hein. De toute façon, c'est sur le chemin de la résine. Le truc, si tu veux procrastiner, c'est que les Ubuntu ont des versions longue durée, celles qu'il faut, et qui sortent toutes les années, paire en avril, vers la fin du mois en gros. Ah, c'est pas mal ça, du coup je suis au bon moment. Ah ouais, mais c'était l'autre entrée. J'ai oublié cette histoire. Il y a de la résine en bas? Non, je crois pas. Hein. Il nous faut de la résine pour maintenant. En fait, ce serait bien de faire un petit abri, mais pas forcément un truc... Là on a déjà un gros abri massif. On descend, on va lui donner la pile, on verra. De toute façon la pile je peux la recharger avec les rallonges normalement. Parce qu'elles sont liées directement avec le poste. Il n'y aura pas de problème. Je sais même plus où on est arrivé, c'était dans quel sens. Mais c'est pas grave.
Attends, je suis en train... C'est moi ou je suis en train de... je vais mettre un générateur sur... Réfléchis à mes bêtises. Mais là, je vais vraiment générer... générer une pile avec un générateur. C'est pas un truc de multiprise, hein, qu'il faut pas faire. Suis-je bête? C'est bien ce que je suis en train d'essayer de faire, là, ou pas? Ouais, c'est totalement bête ce que je fais. Ça peut me permettre de recharger la pile, mais c'est tout. On va faire un poste ici, de toute façon. Que ça, on peut mettre ça, comme ça. Voilà. Aller chercher la résine. Ah! On est coupé du courant. Lol. Et d'ailleurs, pour le zinc, si tu veux, j'en ai des lamelles à la maison, je t'enfile. Hein. Non mais t'inquiète, on a trouvé le zinc déjà. Au final, c'était rapide. Et regardez bien, c'est dense leur truc là. On a une, il en faut deux, je crois. Trois. Trois pour la voiture. De checker les débris là. Ah, une pile encore. Une centrifugeuse là. Mais il y a un truc qui s'est passé hein. C'est du carbone. Bon, là, pour l'instant on n'a pas forcément besoin. Un générateur moyen. Mais c'est très bien ça. On a juste besoin de la plateforme et on a un générateur. Super. Tu peux prendre dans la main? Oui. Et ouais, c'est qui porte les générateurs aujourd'hui? Bim! Oh! Petit hold up. Ouh voilà, ça a vidé ma pile. Mais je peux la mettre sur moi, ça va vider mon truc à moi. Donc là, on va poser le générateur ici. Et regardez, le générateur, il s'est consommé tout seul. Mais quelle merde. Et là, normalement, ça se recharge, ouais. On va chercher on va aller chercher une plateforme. Peut-être la plateforme, celle qui est en haut pour le générateur déjà. Et où c'était par là qu'on était passé hein. Bien sens mais... Ah, du carbone au générateur, il y avait du carbone à côté, mais non, le générateur normalement c'est de l'organique. On va checker hein, de toute façon, on verra après. On a besoin de ça, je pense, d'abord. On va ramener ça le plus près possible parce qu'on va devoir ramener aussi. Ah, quoi qu'attendez, je peux le faire tomber ça. On a un trou exprès pour ça. Je sais plus où c'est le trou, mais... Là, et après, on mettra la plateforme qu'on va créer, et on va la descendre. Pour faire un poste en bas. Je crois que c'est que de l'organique, mais après, c'est une grande question, parce que là, par exemple, moi j'ai de l'organique liquide, avec les bonbonnes, mais au final, ça me sert pas à grand-chose. Que l'organique liquide c'est pas très intéressant, ça s'utilise pas donc enfin, d'après ce que j'ai compris ça s'utilise pas. C'est toi qui faisais ça? Ouais.
Plus de rallonge déjà, c'est un peu l'enfer l'histoire. Ah mais j'ai oublié de déposer aussi le... Mais au final les piles ça me sert à rien. À part m'éviter que... De me décharger totalement. Le bâton lumineux ça va pas me servir non plus. Tenir les rallonges. Ça je peux le donner. Ça prend du temps seul quand même. Je ne sais. Rallonge, filtre d'oxygène, petite bonbonne, petit générateur, balise, éclairage, petite batterie. Peut-être faire une petite batterie pour voir ce que ça donne. Et le zinc. On a vraiment pas beaucoup de zinc. Hein. Après c'est vrai que ça peut être du carbone, ça peut être de l'organique raffiné au final le truc. Du carbone. Ouais. Imprime un tracteur. Imprime un bras auto. Imprime une petite navette. Raffine du tungstène à partir de wolframite. On en est pas là. Lithium, toujours pas. Réservoir d'oxygène, débloque les piles. Débloque les bâtons. Débloque la dynamite. Bon, on va débloquer. Je pense qu'on peut le faire là. C'est où déjà qu'on débloque? Je ne sais plus. Si c'est dans mon inventaire. Je sais comment on y a accès. Je vais chercher, là. Ouh là là, on a beaucoup de choses. Alors la dynamique, c'est où? B3, inhibiteur, module alignement. Le forêt 2, non. 3, peut-être. Dynamique 3750. Je ne peux pas. L'appareil photo. Ah, on avait dit qu'on prenait l'appareil photo. Hein. Figurine holographique, analyse de terrain. Et après on fera le reste. Pour l'instant là c'est pas mal je pense. C'est bon là, c'est pas fini? Ok. D'accord. Bon on va aller vérifier en bas où on en est. Mais la musique est un peu énervante. On va peut-être changer. Hein. N'hésitez pas à choisir une radio que vous voulez. Non c'est moi qui choisis. Ouais elle me fracasse les oreilles là. J'avoue. C'est pas un truc que je n'aime pas. En plus, c'est un truc que j'apprécie, mais avec des bonnes qualités. Là, j'aime pas du tout. Bon, on va descendre la plateforme, hein, comme on avait dit. Là, le trou. Youhouhou ! Est-ce que je meurs ? Est-ce que... Oh, presque. J'aurais pu mourir. Je ne suis pas mort. Quel-le ? Ouais, WOS, Jazz New Orleans. Mais on l'avait déjà mis en plus, mais ça marche, hein, on fait ça. Oh, mais... Donc là, il nous faut du carbone. T'as raison. Hein. Bravo. C'est mieux, parce qu'on en a trouvé tout à l'heure. Salut, Schlaguignot. Il y a RTL. Oulalalala. Je... Est-ce que vous êtes... c'est une blague c'est sérieux? Parce que si on commence à capter RTL, je pense qu'on va mourir dans pas trop longtemps dans le jeu. Il y a beaucoup de carbone en fait. Hein. Ça aurait été bien la plateforme B, parce qu'en fait ça permet d'aller que le générateur s'auto-alimente. Là on peut pas. Ouais. Donc, pour l'instant on va juste ouvrir la boîte. Et un peu de trucs.
c'est ouvert direct. Oh. On peut l'éteindre tout de suite. Éteins-moi ça. Elle a ouvert tellement rapidement, je suis choqué. Non, tu peux, si tu veux, alimenter ce spot. Aucun sens, mais... Vas-y, hop. La pile, alimente le spot. Enfin, on voit où on est. J'espère que tu vas bien, Chlaguignon, en tout cas. Allez, on va mettre WWW House. Je crois que c'était dans Musical Roots. C'est la première qu'on avait mis. Donc n'hésite pas, Chlaguignot, si tu as une radio à proposer autre que RTL ou RTL, hein, si tu veux, on reste dessus. Hein. Moi, ça me dérange pas, mais bon. De toute façon, faut que j'arrête. Oui, à... bon. Oh, figure autoritaire omniprésente. Alors, faut que j'arrête de. faut que j'enlève. J'avais mis oui, mais faut que je l'enlève. Oui, c'est abusé. Je vais mettre juste JRA, oui. Je trouve que c'est abusé. Voilà, c'est bon. J'ai changé la commande. Vous n'aurez plus à écrire en entier, à dire en entier oui aux figures omniprésentes à chaque fois. Bon, la musique est bonne. Attendez, je check. Il y a un son qui est plus fort. C'est la musique du jeu ? Ah oui ? Il y a la musique du jeu en fond que vous entendez fort. Pourquoi ça a augmenté ça? En fait, plus je vais au fond et plus il y a de la musique, c'est ça? Non, c'est bon, Raving Bell, on a changé. Audio. Bah oui, c'est revenu à 80, c'est bien. La musique, on peut même mettre à 50 en vrai, c'est. C'était pas aussi fort avant. Ah si, c'est parce que j'ai monté le truc pour que vous y puissiez... Oh. Est-ce que vous, ça vous dérange? Normalement, c'est à 30 comme ça. C'est à peu près à la même hauteur que le son. Voilà. Là, ça devrait être bon. C'est juste qu'il n'y aura pas les commandes. Ah, mais je vais mourir! Attendez, excusez-moi. Je crois que j'étais au bon endroit. Bon, ça c'est des... Ok, il y a du zinc, très bien. Prends le zinc. La centrifugeuse elle est cassée. Ah mais la plateforme elle fonctionne par contre, casse-toi. Mais il y a une plateforme là. Mais je récupère. Mais je fais une plateforme en haut, mais pourquoi en fait? Regardez, on a trouvé une plateforme. C'est bien la récup, hein, franchement. Qui aurait pu penser qu'on aurait trouvé ça dans les poubelles? Ah mais c'est de trader libéral, c'est pas faux. C'est pas que ça d'ailleurs RTL, je crois. Après, si vous voulez vous taper la radio française, moi ça me dérange pas. Eh, je crois que j'ai vu de l'hématite. On a exactement ce qu'on a besoin. Attendez. Je place ça ici parce qu'on va faire notre poste là, du coup. À côté de du truc exo là. Hop, on va peut-être mettre ça comme ça. On va tourner ça. Ah mais on peut pas connecter ici? Incroyable, je verrouille. J'ai verrouillé. Prends ça. Ah oui mais je peux vraiment faire un petit générateur à côté d'un truc, c'est vachement bien ça en fait. Je peux poser du coup, partout où je veux, du carbone, c'est très bien. Au final, la pile, ça va. Elle a pas l'air de prendre beaucoup sur le truc. Et j'ai cru voir de l'hématite là-bas. Ah non, c'était une illusion d'optique apparemment. Pas connecté là ? Alors. Pas mal que ça soit connecté là aussi, mais bon. Est-ce qu'on ferait pas un circuit en parallèle? On met la lampe ici. Et on met une pile là, au milieu là.
Comme ça. Comme ça, il y a deux moyens de gestion du truc. Peut-être pas ce connecteur-là, du coup. Comme ça, il y a la raffinerie ici au cas où. Et je peux même prendre le petit générateur et être un gros bourrin et le mettre là. Voilà, on a de l'électricité. Bon, c'est un peu ridicule, on va peut-être mettre ça ici, comme ça fait deux trucs. Racisme très lourd aussi, oui, exactement. On n'a plus de vie. On va continuer par là. On va aller chercher quand même la plateforme ou c'est juste pour faire genre? Pose la question. Oui, c'était la blague du parallèle et de la série. Mais tu sais que c'est difficile à se projeter hein, dans mon truc. Ça a aucun sens de faire, je crois, une pile plus un générateur, par contre. Ça se récupère pas. Ah, c'est des débris. Là, on pourrait récupérer, mais on peut se faire agresser aussi. Oh, là-bas, il y a un générateur. En moyen encore. Faudrait qu'on y aille. On va mettre les débris au même endroit, dans le trou. Oh, de la latérite, du carbone. Ça se récupère? Non. On va aller chercher la latérite là-bas. On va aller poser des rallonges déjà. Générateur. Ça risque d'être compliqué de monter par là. J'aurais peut-être pas dû passer par ici. C'est pas grave, on continue. Ah, j'ai plus de rallonge. Bon, c'est pas grave. On continue. Module linge. C'est intéressant. Un deuxième module linge. Un débris. Et de faire le chemin dans l'autre sens. Regardez ça! Quelqu'un est décédé ici. Échantillon, je scanne. On a des rallonges, bah voilà, c'est très bien. On avait besoin de rallonges, ça tombe bien. Un objet bizarre. Des rallonges électriques, si jamais on a besoin. Feu d'artifice! Ah bon? Est-ce qu'on essaierait le feu d'artifice par hasard dans... Oh, petite batterie. Et on fait la petite batterie. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire le feu d'artifice dans... Dans la grotte. Est-ce que vous voulez voir ce que ça peut faire? Les ferrailleurs de l'espace, exactement. Au final, c'est un peu ça. Ouais, du coup, vous voulez voir ce que ça donne un feu d'artifice dans un milieu fermé? Du coup, là, actuellement, je vois pas trop à quoi ça pourrait nous servir, à part peut-être éviter de mourir. Peut-être que ça peut nous aider à mourir, mais à part ça, je vois pas trop. Ok, on va essayer de le faire. Alors, j'ai l'impression qu'on tourne autour d'un noyau. Je sais pas si vous avez vu, mais la salle, elle est ronde. Et on n'arrive pas à avoir accès au milieu. Donc, du coup, on va aller par là. Je vais d'abord poser le générateur. Donc, la petite batterie, c'est bon là déjà. La petite batterie, elle est là. Ah, mais c'est une autre. Ah, oui, bah, d'accord. Bah, c'est très bien. Nous ne voilons pas la face. C'est pas mal. Les piles, ça, c'est uniquement pour nous. La rallonge électrique, bon, là, on s'en fiche. On va la poser. Le feu d'artifice, on va l'allumer. Le module large, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. C'est notre récup. Du coup. Est-ce qu'on essaierait pas de faire un truc? Genre. Creuse là. J'ai l'impression qu'il va y avoir un trou. Une sorte de caverne. Non, c'est juste un raccourci que j'ai fait là. Mais moi, je croyais qu'il allait y avoir un truc, hein. Vraiment. La salérite, de la latérite, ok.
Eh mais j'ai plus... Je sais plus où je suis. Attendez, j'ai plus... Vite! Vite! On va mourir! Vite! 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 Ah! La vie! Non! Tout ça parce que j'avais pas mis de les rallonges. Non! Bon bah voilà la mort. Oh bah du coup on peut descendre ça. Hein. Est-ce que ça sert vraiment à descendre? Parce que... On va la mettre là. Hein. Je sais pas quoi faire avec. Hein. On va descendre. Allez hop, on redescend. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Première mort. Hein. C'est là où on voit la différence. On n'empêche avec... Peut-être qu'on va prendre le composite, on va le descendre. La différence entre avec la lumière que j'avais et sans la lumière en fait. C'est très sombre comparé. Et ok, ok. Bon du coup, c'est pas en bas qu'on a l'hématite. Hein. Bah on va aller voir, mais normalement oui. Vu que je suis en plus, j'étais vraiment juste à côté, je suis mort bêtement. Logiquement, je suis juste à côté. Ah ouais, bah ouais. Exact. C'est Elden Ring, on récupère tout. On pourra faire le feu d'artifice, hein, du coup. Faut jamais oublier. Ah oui, le zinc. Les rallonges que j'avais en plus, c'est ça qui est grave. C'est que j'aurais pu utiliser les rallonges pour pouvoir me sortir du truc, mais bien sûr, j'ai préféré courir. Bah t'as loupé la mort. T'as loupé qu'on est mort, juste à côté en plus. On s'est baladé et on est mort. Donc là, du coup, il faudrait que je mette quelque chose ici, par exemple, pour survivre. Là. Que sur la base n'est pas... La base n'est pas reliée. On a fait une base avec un peu de mon sens. Pile. Projecteur. Pile. Générateur. 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 On est en train de se balader et récupérer pas mal de trucs. Manque d'oxygène? Oui, exactement. Exactement. On est en train de chercher de l'hématite. Normalement, c'est dans les grottes. Je vais revérifier, mais c'est normalement dans les grottes. Comment on vérifie? Comme ça. Là. Et après, on fait ça. Et hématite trouvée sur... Ah mais non! Mais du coup on peut pas la trouver ici! Parce que c'est marqué glaciaux et novus, c'est d'autres trucs ça! Ah mais du coup ça sert à rien ce que je fais! À part descendre. On va relier ça, on a des rallonges électriques dans le coin. On va rajouter des rallonges, on va faire n'importe quoi ici. C'est le pire poste de tous les temps, sachez-le. Sans aucun sens, hein, bien sûr. Non, ça doit... ça n'a pas de sens. Du coup, on disait qu'on allait faire la fête foraine. La fête. Alors, j'ai dit fête foraine, mais c'est pas la fête foraine. On va faire péter du feu d'artifice ici. Là, là. Ici, ça a l'air bien. Ah! What the fuck? Ouais, faut pas faire ça, hein. Oh, c'est du tout. Oh, je suis un peu déçu. Bon, bah du coup, au niveau des ressources, on est bon, en fait. On a tout ce qu'on a besoin, alors. C'est d'après ce que je comprends. On continue à voir ce qu'on peut récupérer. Là aussi, en fait, on n'est pas allé par là, mais peut-être qu'on peut aller par là, hein. Ah ah! Une nouvelle cave. Oh! Une nouvelle cache exo.
Voilà, voilà, voilà. En fait, j'essaye de trouver un moyen d'aller plus bas. Mais ah, ouh, ça a l'air immense. Contre. Ça a l'air immense. Peut-être qu'on devrait prendre le projecteur plutôt que d'avoir cette lampe nulle. On va peut-être échanger avec le projecteur. Ah, j'avais plus de rallonge, j'ai bien fait de revenir en arrière. Attendez, je remets mes petits boutonnions. Ah, mais j'ai... Attends, mais j'ai un zinc. Ah ouais, mais j'ai pas de composite pour faire des rallonges. Bon, c'est pas grave, on continue. On va aller chercher. Bam, bing, 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 bing. C'est un peu country plus que jazz, là, non? On est reparti sur WW House. Ça c'est toujours pas ouvert. Quoi? Oui, donc... Ah oui, non, mais... Une pile avec une pile. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a le générateur qui doit envoyer de la balance, là. Non? Alors, bon. Mais on est d'accord que... Ah oui, non, mais ça va pas dans le bon sens. C'est à cause de toi. Hiit. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. C'est normal. Ah, mais la rallonge, il y a un sens, mais c'est nul. Bon, pars la rallonge. Ça ne sert à rien, ce que tu fais. Faut que j'aille aux toilettes, mon dieu. Je vais vous laisser 3 secondes. J'arrive, je vous laisse la musique. Re. Bon, alors du coup, je sais plus où on en était, mais en fait, on cherche un endroit. Ah oui, c'est ça, il faut faire des rallonges. Vous pensez que si je me balade avec un générateur moyen dans le dos, ça fonctionne? Je crois pas, non. Bon, allez, c'est parti. Bon. On se balade. On se balade dans les grottes. Ah! Ouh! Ha!
C'est une belle grotte naturelle, hein. Très droite. Beaucoup de résine là-bas. Et du coup, on va jamais trouver de fer, je comprends pas en fait ce qu'on fait. Ah si, le broyeur! Mais oui, les débris, c'est ça qu'il nous faut! Attendez, c'était quoi déjà le broyeur qu'il fallait faire? Attendez. C'est ça, c'est en faisant le broyeur, c'est avec les débris qu'on va pouvoir se débrouiller avec le fer. G, je sais plus. Ouais, j'ai de quoi. J'ai de quoi. C'est le broyeur qu'il faut faire. Récupère de l'asphalérite, mais on en a déjà fait, c'est en haut. Imprime un tracteur. Petite navette. Bâton, de la dynamite, le réservoir d'oxygène et les piles. On va débrouiller ça déjà. C'est quoi déjà? Je viens de le faire il y a 3 secondes. R. Générateur, pile. Ok. Dynamite. 3750, c'est mort. Ouf, cette grotte. Coucou Ben, salut. Petit coucou. On se balade dans les grottes, mais je viens d'avoir un eurécax. Je me suis dit, hey, mais attends. On doit faire un broyeur pour avoir du fer, c'est logique. On a tellement de débris, mais pas de broyeur. On va faire le broyeur. Mais je me rappelle plus comment on fait le broyeur. Je crois qu'il faut du fer pour faire le broyeur, c'est ça la blague. Je crois que je viens de me rappeler et qu'en fait, il faut avoir du fer pour faire le broyeur. Lol. On va remonter du coup. Est-ce qu'on prend un générateur? Non, parce que ici c'est bien notre poste là. On va monter juste ça. On va peut-être laisser les rallonges parce qu'en fait, en vrai, les rallonges, on en a plus besoin ici. Voir si je me balade dans la. Et cette lumière. On avait dit qu'on laissait cette lumière et on va prendre une pile. Regardez-moi ce branchement de l'enfer. Hein. Ça n'a aucun sens. La pile là. Mais elle est pas allumée. Le spot ça fonctionne pas en fait. Ah oui, c'est que un endroit spécifique. Bon, on s'en fout du spot du coup. Ouais, c'est vachement nul. On va prendre on va prendre ça. C'est vachement mieux. Pourquoi on peut pas recycler tous les débris? Les débris, il faut avoir le broyeur, je pense. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le broyeur. Donc on va débloquer le broyeur. Et je me rappelle plus. Il faut se rappeler que t'as fait un trou quelque part et que ça a ouvert une salle. Oui, alors ça a ouvert une salle, oui. Bah j'ai regardé. Et on n'est pas allé jusqu'au bout. Ça je sais. Salut Bakwa Macno, salut. Et re, oui, parce qu'on était là tout à l'heure, j'imagine, chez Marcel Duchemin. Alors attends. Où est-ce qu'on est? Ah oui, c'est là. On est au premier étage. Mais alors, par contre, ouais, c'est pas grave. On est au premier étage de la grotte. On va prendre ces octets parce qu'on en a besoin des octets maintenant. Nous ne passons plus à côté des choses qui nous sont naturelles, apparemment. De récupérer de la science. Ouais, donc du coup. On va essayer de faire le broyeur, mais je crois que le broyeur, il faut du fer, et pour avoir le fer, je pense qu'il faut, défoncer les débris. Sauf qu'on n'a rien pour défoncer le débris, autre que le broyeur. Est-ce que vous voyez le problème? Et n'hésitez pas, vous voulez choisir votre radio, on est sur WWOZ, et on est au bon endroit, pour l'instant, pour pouvoir justement gérer ça. Faut que je pose ça quelque part. Un problème, c'est un problème. On a trop de choses. On a trop de choses. Et on avait dit le broyeur. C'est ça qu'il faut vérifier. Alors le broyeur, c'est où? C'est pas là. Ça doit être la grande. Ce n'est pas la grande. Stockage moyen, ce serait pas mal d'en faire. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Le broyeur moyen, il faut du fer. Et pour faire le fer, il faut de l'hématite. Et l'hématite, c'est pas sur cette planète. Nick et moi. Comment je vais faire pour faire du fer?
Bon, il faut croiser les doigts que si on arrive à débloquer les trucs, il va nous donner du fer. Hein. Ah. J'ai récupéré de la sphérite, non? On était pas loin du débloquer le réservoir d'oxygène. Bon, on va débloquer le réservoir d'oxygène. J'ai pas débloqué le... La dynamite, on avait pas assez, c'est ça? Réservoir d'oxygène, c'est où? L'overboard, faut qu'on le trouve aussi. Petit appareil photo. Analyse de terrain, on l'a pris. Mais du coup, on l'a pas encore créé. Scanner de sonde, ça c'est pas mal aussi. Feu d'artifice. On n'a pas pris la dynamite? Ah oui, c'est que c'était 3750, c'est vrai que c'est un peu... Faut qu'on fasse les éoliennes aussi. Ah! Réservoir d'oxygène, c'est ça? C'est ça qu'il nous a demandé? Je me rappelle même plus. C'est réservoir d'oxygène qu'il nous faut? Ouais, réservoir d'oxygène, ok. Et la dynamite. Donc du coup, dynamite, il nous faut beaucoup. Les étagères? Mais non! Regarde, si on regarde de ce côté-là, ça, tout se passe bien. Hein. Du coup, on peut faire des étagères. Je crois qu'on a, j'ai vu qu'on pouvait faire. Hein. Alors, c'est dans la petite qu'on peut faire les étagères. Ah bah non, il a dit que non. Bon. Stratégiquement, là, on a un problème. C'est qu'il nous faut masse de... Il faut qu'on trouve des trucs à récupérer des octets. Et j'en ai vu dans la grotte, donc on va aller dans la grotte. Hein. Non mais on rangera, mais faut récupérer de la résine. Et là, en fait, ce qui est un peu urgent, c'est qu'il nous faut du fer. Enfin, c'est pas urgent, mais bon, vous avez compris. On fait genre, c'est urgent. Attends. Il y a un truc là. Ça fait des octets, je crois. J'ai vu un truc. Bonjour. Là. Ça fait des octets. On va le mettre dans le labo de recherche. Désolé, on fait beaucoup d'aller-retour. Le chat veut l'or. Oui, bah, mais c'est pas grave. Moi, je fais des petits trous de rangement, ça passe. C'est vrai que c'est pas bête. C'est vrai que c'est pas bête, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que pour la photo de fin, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc là on va avoir des octets gratuits, et on va essayer d'en récupérer d'autres ailleurs. Je vole, je glisse. Ouh là là là. Alors, grotte 1. Niveau 1. Ok, on va continuer du coup notre découverte. Hein. On va aller tout en bas. Niveau 2. Ah, faut pas que je tombe là par contre. C'est un coup à mourir. Youhouhouhou. Ouh là là, j'ai failli mourir quand même. Ça serait bien d'avoir un labo de recherche ici, mais bon, c'est pas grave. Pas plus tard. Je pense que ça demande beaucoup de demandes électriques pour pas grand chose. On va peut-être prendre leur résine pour le stockage moyen, histoire de... Ah, la radio a changé. C'est précieux les ressources. Bah là en vrai, vous avez remarqué depuis une heure je pense que je récupère plus rien, ouais, presque. Là on fait que de... Oui, on fait de la récup de matériel qu'on trouve par terre. Mais au niveau des ressources, on... à part faire des trous pour traverser, on fait pas grand chose. Hein. On est là. Et donc là, on a de la résine, on va en prendre. Oh là là, je suis blindé en résine. Je pense que les stockages, c'est bon là. Hein. Oh là là, pourquoi le gros plan? Ouais. Pas incroyable, hein. Pas grande découverte ici. Hein. En fait, ce qui serait intéressant, ce serait de trouver le quatrième niveau de cette grotte.
Mais bon. Ouais, peut-être, hein. La radio a décidé de décéder si vous voulez changer. Ah, c'est là. Quatrième niveau, ici. Descendre le labo de recherche, ça peut être une idée. Je crois qu'on a trouvé un trou. Alors la question c'est à quelle hauteur du sol on est. Oh. Ouh là là, on est très haut je crois. On est très très haut. On peut... Alors c'était quoi qu'il nous fallait? La dynamite, c'est ça? On en est toujours pas là, mais on gagne des octets. Merci, merci Clem Lelu. Peut-être une commande pour appuyer sur T, hein. Ah, mais je peux faire ça, en fait. Attendez, on va checker un truc. Est-ce que je peux vous faire une commande pour faire ça? Oui, je pense. Alors, est-ce que ça va casser le stream? C'est possible. Rallonge. Groupe. Astronia. Q. Default. Ok. Je vais faire corps. Est-ce que je peux faire ça? Genre commande. Logic. Peux... Alors, il y a un truc où je peux faire genre système. Keyboard press, voilà. Et je vais faire T. Attention. Est-ce que vous n'êtes pas sur un stream inauguratif de n'importe quoi? Donc, quand on vous écrivait rallonge avec un point d'exclamation. Eh bien, ça va déclencher T pour pouvoir faire une rallonge. Alors, attendez, pas tout de suite, hein. Voilà, hop, hop, je teste. User permission, bon, ça, je verrai ça tout à l'heure. Hop, hop, get command, core, commande. Tu veux pas aller chercher une commande, hein? Trigger, custom, commande, c'est où, core, commande. Commande triggered. Allonge. Alors, on va tester un truc. On va voir si ça fonctionne. Mais elle est où? Oh, il y a tellement de commandes. J'y crois pas. C'est n'importe quoi, hein. N'hésitez pas, bien sûr, à ne pas faire ça chez vous. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Hop. Et là, normalement, ça devrait marcher. Alors, attention. Moi, je m'en vais. On va voir si vous êtes fort. Et si ça fonctionne. Voilà, là par exemple j'ai besoin d'une rallonge. Est-ce que vous pouvez essayer? Avec un point d'exclamation à la fin. À la fin. C'est rallonge. Point d'exclamation. Ça n'a pas marché. Avec l'espace peut-être en plus. Parce que je crois que j'ai mis un espace. Me laissez pas mourir. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Attends, je check. C'était juste pour le son. Je check. Je remets la musique ici. Alors attendez. Vas-y, essayez d'écrire. Rallonge pour voir si c'est juste peut-être pas dans le jeu. Ça marche pas, hein. Peut-être que j'ai fait un truc trop bête. Alors là, il y a 2LONG. Attendez, je vais mourir. Keyboard press T, c'est ça? Ok. La commande se rallonge. Je vais essayer de voir si moi je le fais, ça fonctionne. On essaie? Ah non, mais c'est pas ça, je suis bête. Alors, je me mets dans le jeu, on va voir si ça fonctionne. Alors, apparemment, c'est faisable. Mais je sais pas si ça joue avec les jeux. Alors, c'est comme ça que je l'ai écrit.
Eh ben non, ça marche pas. Oh là là, ça aurait été tellement bien. Oui, ça aurait pu marcher de Avut. C'est possible que je l'ai pas activé, c'est vrai que c'est possible ça aussi. Start. Non, keyboard press T. Ok. Écrit n'importe comment. Ok. Rallonge R-A-2-L-O-N-G-E. Point d'exclamation. Je teste. Ça marche pas. Bon. Je réessayerai plus tard. On continue le jeu. C'est où qu'on va? C'est là, je crois. C'est vers le bas. Oh! On est pile à la taille. Ah, je vais peut-être poser des rallonges. Ah, mais on a plus de rallonges. Lol. C'est peut-être à cause de ça que ça marche pas. Lol. Du coup, on a peut-être pas besoin de celle-ci. Je vous laisse essayer avec celle-là. 2 minutes, je remets le truc parce que je l'ai voilà. Je vous laisse essayer avec celle-là, on va voir si ça fonctionne. Pendant que je vais chercher les autres rallonges. Ça serait une blague que c'est parce qu'il n'y a pas de rallonge que ça n'utilise pas les rallonges. Mais ça... Ça fonctionne. On a réussi. Merci Bakwa. Alors, Bakwa Makno a réussi à poser une rallonge. Attention, on va aller chercher les autres rallonges. Ne faites pas de bêtises surtout. C'est collé exactement. Ne faites pas de bêtises, ne me tuez pas, c'est-à-dire à claquer les rallonges trop rapidement, s'il vous plaît. C'est un coup à mourir, ce que j'ai fait. Et ça veut dire que vous pouvez jouer à ma place. Ça, c'est beau. Et ça, c'est priceless. Mais j'ai plus de rallonges du tout, en fait. Ah, mais si, il y a des composites. Youp. Youp. Rallonges. Je crois qu'il y a des composites ici. Hein. Ah si, elles sont là. Ouais, on va faire deux fois de rallonge. On va déposer les résines. N'hésitez pas à ne pas appuyer sur T. Hein. Pour l'instant, je m'équipe pour vous. Non, mais les résines, on va les laisser là. On a dit qu'on ne les avait pas besoin. Et voilà, on a trois... Alors, il y a combien de... Ils disent pas. Il y a trois lots. Trois lots. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à le faire. Oui, après j'ai 10 secondes de décalage, alors ça... Oui, mais c'est pas grave, 10 secondes de décalage, ça peut être suffisant. En tout cas, vous interagissez avec le jeu. Du coup, ça c'est bien, j'avais pas pensé à ça, mais ça c'est une très bonne idée. Ça c'est celle de Makno, du coup, on va la récupérer. Bip. Et on continue notre escapade. On était au niveau 3. Je crois qu'on est au niveau 3 de la grotte. Normalement, si je cours, je glisse. C'est ça, ouais, ça. Oh, non ! Oh, j'ai failli mourir ! Voilà, c'est ici, c'est à partir de maintenant, si vous voulez. Je vous laisse poser ici, je pense que là, c'est bien. Si vous voulez essayer, comme ça, on est assuré que ça fonctionne. Et ça fonctionne ! Ok. Et ça fait tomber aussi les cigarettes électroniques. Bon, allez, on est parti. Bon, ça, c'est bien, ça. Il y en a toujours pas assez d'octets. Hein. Du coup, peut-être qu'on va trouver des trucs ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Encore une pile. Mais, désolé, mais tu veux que je fasse quoi avec ça, en fait? Ça me sert à rien, en fait. Vraiment. Bah. Débris, encore. Ah, mais ça, c'est un débris de panneau solaire, mais ça, c'est bien, ça. Oh, des octets, très bien. Je me laisse mourir, bien sûr, pour pouvoir vous tenter. Là, normalement, ici, il faudrait en faire une, je crois. Je vais en faire une, ici. C'est un peu plus loin, en final, hein. 1056, on n'est pas loin, on n'est pas loin.
Celle de Clem est tombée dans le vide? Non. Quand je suis tombé? Quand... Attends, il en a... Il... quand j'ai failli tomber, là, il y en a une qui s'est déclenchée? Et je me bloque tout seul. C'est quand même grave, cette histoire. Là-bas, il y a un truc. C'est moi qui l'ai... Là, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Elle est là, celle de Clem. J'ai trouvé. Il nous faut quand même une liaison. Donc on va faire une liaison là. Hein. S'il te plaît, respecte-nous. Enfin, merci. Ouais, bah ça, c'est pas grave, ça, à la limite. Qu'il y ait des plots tout seul, c'est... on les retrouve hein, après. Là, c'est moi qui l'ai fait. Ah! Encore un truc, là. Ah, super! Des balises. Un klaxon. Et des rallonges. Que des trucs qu'on apprécie. Hein. La balise, on va la mettre là-bas. Mais... On est dans un trou. Hein. Alors, est-ce que vous pensez que j'ai assez là pour faire... Oh, mais... C'est quoi déjà, c'est R. 1492, c'est pas assez pour la dynamite, ça. Il manque encore 3000. Là-bas. On a un décalage. Je crois qu'on a un décalage, c'est sûr. Ça, c'est dommage qu'on peut pas scanner tout seul. Hein. Franchement, c'est abusé. Faudrait que je le remonte tout en haut. C'est trop haut. Eh, il y a le niveau 5 ici. On va poser ici notre rallonge. On va essayer de retrouver l'autre rallonge. Bonne. Bien au bon endroit. Pas de bon. Peut-être un peu décalé. Hop. Ouais, on a un petit décalage de quelques mètres. Mais je vais utiliser celle que vous m'avez envoyée. Après, ça serait mieux de faire un truc pour les balises, mais bon. Ouais, bah. Je sais pas si c'est mieux, remarque. Ça me fait mon chemin, en vrai. C'est toujours pratique d'avoir, de savoir où on est parti, où on est passé. J'ai un petit problème. Ah oui, c'est ça. C'est le cinquième niveau est là. Bon, est-ce qu'on tente le cinquième niveau avant de partir? Je remonte. Oula, là, ça a l'air de glisser ici, par contre. Et un peu haut. Ah non, faut pas que ça glisse. Ça, c'est un quoi mourir. Hein. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un quoi mourir. Ah, c'est 56. Ah oui, en effet. Continue, on continue un petit peu et après on y va. Ah, c'est super dangereux ce que je fais en fait. C'est super dangereux, je risque de mourir à tout instant.
Une nouvelle couleur, n'empêche. Je crois qu'on a passé une strat, hein. Et ok, ça a l'air d'être bon, là. Ouh là là, j'ai failli mourir ici. Bon. Au moins, on aura le chemin. Et on va voir un peu ce qu'il y a dedans. On sait qu'au troisième étage, on a un début de... Il y a des creepers. Waouh, ça me fait penser à un jeu qu'on me saoule avec. Et qui s'appelle Minecraft. Eh, mais on est même pas arrivé au cinquième. Eh, mais... Oh, mais ça fait que descendre. Bah, on va remonter. Hein. Je suis désolé, mais là, on peut pas... C'est un coup à mourir, là, ça. Je réfléchis, mais du coup, le broyeur, on l'aura pas, hein. Je vois pas trop comment faire. J'en ai marre. Partez, s'il vous plaît. Vous me saoulez avec les stalagmites. C'est ça, c'est mythe, c'est en haut. Je sais plus. Faut que je fasse attention la prochaine fois que je redescendrai. Il y a un trou ici. Note à moi-même, ne pas sauter. Être trop joyeux en descendant. Aider. On va remonter, on va essayer de voir ce qu'on peut remonter en haut. Les trucs bizarres déjà, on va les monter. Ça, ça serait bien de les remonter. Alice, on la met dans le dos. Mythe montante, mythe tombante. Merci. À chaque fois, j'oublie les moyens mnémotechniques. Là, on est au quatrième. Non, on est au troisième, là. Je sais plus. Ah, mais du coup, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-ci. Je crois qu'il y en avait une sur le chemin. Là. Oh, je me rappelle plus à quel étage on est. Pas le bon étage. Celui où je galère pour ouais, c'est celui où je galère pour remonter. Non mais... Mais... Et... On est pressé. On est pressé. Ah mais j'aurais pu descendre là directement, non? C'est moi ou... J'ai même pas vu qu'il y avait un trou à côté. Là, il y en avait une en plus. Oh là là. On ramène une pierre du niveau 5. C'est quand même n'importe quoi. Hein. Et là, il faut pas suivre les rallonges. Il faut prendre celle qui n'a pas de rallonge ici. Stalagmite, ça tombe. Ça monte. Stalactite. Ça tombe. Ah ben voilà. Merci de me rappeler les moyens mnémotechniques. Pour... Sachant que j'en ai appris aucun. Ah, attendez, je prends... Ça, c'est gratuit. Je prends. On n'a pas vu beaucoup, en fait, sur notre chemin. C'est juste que c'est celles qui reviennent à côté de là où on arrive, au final. Regarde vite fait la recherche, on est à où? 3750, ah ouais, on est très très loin. Il nous faut au moins 1900 et quelques en plus. C'est la petite, d'ailleurs. Elle sert à quoi ta pierre? Bah, à récupérer des octets pour pouvoir débloquer de la recherche pour la dynamite. En fait, il faut qu'on débloque la dynamite, mais je sais pas, pour savoir s'ils vont nous donner du fer, mais... Hop. On va faire une petite fête. Bordel ambiant.
Voilà. Et moi, je vais vous laisser. Je vais faire un read sur ça. Merci à vous d'avoir été là. C'est cool d'avoir du monde. Je sais pas si vous remarquez à quel point c'est sympa de votre part. Je vous envoie chez Raving Bell. Bref, merci beaucoup. Je pense que c'est bon pour la photo. Ah, mais j'ai même pas partagé la photo de la dernière fois. Mais c'est ça que j'ai oublié de faire. Mon Dieu. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été dans le coin. Merci, bonne journée. Ouais. Apparemment, l'ordinateur tient le coup aujourd'hui. Et je pense que le fait d'avoir optimisé, nettoyé ce genre de truc-là, c'est pas mal. Le jeu s'est bien lancé, ça a tourné comme si c'était naturel, ce qui est, à mon avis, pas le cas. Je m'en vais. Au revoir. Et du coup, bah, la rallonge, je vais la laisser, hein, c'est une bonne idée. Je vais peut-être le faire. Always run, non, peut-être pas. Peut-être le faire en sorte que. De le mettre à chaque fois. Ça, c'est une bonne idée de vous faire laisser interagir avec directement le jeu. Un peu chiant ça, les trucs, on sait pas quoi faire avec ça. Bon, il reste que 13 secondes, merci beaucoup et au revoir. Y a un cooldown, oui, apparemment. A plus.